Comment ajouter un texte derrière un objet pour vos vidéos? Salut à tous, c'est Nicolas pour la chaîne Wondershare français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue d'apprendre à faire de jolis montages facilement avec votre logiciel Filmora. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter un texte derrière un objet comme ça, histoire d'avoir un rendu très immersif pour le titre de votre vidéo. C'est parti! Alors, on va voir ensemble deux méthodes et pour cela, on va utiliser le logiciel de montage Filmora. C'est un logiciel idéal, à la fois simple d'utilisation et très complet. Allez, on se retrouve du coup sur le logiciel. Pour la première méthode, on va utiliser les masques de Filmora. Cette technique pourra du coup marcher tout le temps, peu importe le plan que vous avez. Alors, pour vous simplifier la vie, je vous conseille malgré tout de prendre un plan fixe avec un objet immobile, ça sera plus simple. Par exemple, ici, on va prendre ce plan-là sur les gratte-ciels. On va chercher à ajouter un texte derrière les bâtiments. Ce plan, je le pose donc dans la timeline, puis je vais rajouter maintenant le titre. Je vais dans Titre et je récupère celui qui est standard, défaut Title. On le place en piste 2 au-dessus. Ok, en double-cliquant dessus, on peut le personnaliser comme on souhaite. Je vais écrire Toronto ici, le nom de la ville. Je le place là où je souhaite. Voilà, le texte est créé, mais pour l'instant, il est devant toute l'image. On va maintenant le passer derrière tous les bâtiments. Notre plan en piste 1, on le duplique en faisant un copier-coller. Et sa copie, on va la placer en piste 3 au-dessus. Elle recouvre du coup tout le reste, le titre disparaît. Sur ce plan en piste 3, on va donc créer un masque pour ne conserver que les bâtiments. On double-clique dessus et on se rend en haut à gauche dans Vidéo, puis Masque. Ici, il y a un outil masque de dessin, celui-ci. On clique dessus. Avec cet outil, on va pouvoir détourer tous les bâtiments directement sur l'image. Du coup, dans le retour image ici à droite, on va suivre tous les contours du bâtiment en cliquant régulièrement pour former un masque. Comme ça. Voilà, on détourne toute la skyline. Une fois ça ok, on peut finir le masque en englobant tout le bas de l'image comme ça, histoire de ne conserver que les bâtiments et de supprimer le ciel. Voilà, je peux fermer définitivement le masque en cliquant ici sur le premier point clé. Et hop, le ciel du plan en piste 3 est supprimé et on récupère automatiquement le texte en dessous, ainsi que le ciel qui était en piste 1. Et du coup, eh bien c'est tout bon, notre texte apparaît maintenant derrière les bâtiments. Allez, on passe à la deuxième méthode, très simple, qui va marcher pour certains plans, notamment ceux qui sont en contre-jour, comme celui-ci. Ici, simplement avec un mode de fusion, sans détourage, on va pouvoir passer le texte derrière un objet. On place son plan dans la timeline. Puis de nouveau, on place un titre défaut title par-dessus. On le personnalise comme on souhaite, il faut juste le laisser avec une couleur très claire, comme du blanc par exemple. Parfait, on place le texte à un endroit où il pourra bien être derrière notre objet, en contre-jour, et là, on n'a plus qu'un seul truc à faire. Dans les réglages du texte, allez dans Vidéo, puis Basique. Ici, vous avez Mode de mélange, ou alors Mode de fusion sur les précédentes versions de Filmora. On clique ici sur le menu déroulant et on choisit Incrustation. Et hop, fini, vous voyez que le texte passe directement derrière notre objet. Méthode hyper rapide pour les plans en contre-jour. Voilà, on vient de voir ensemble comment ajouter un texte derrière un objet pour toutes vos vidéos, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire un petit retour en like et en commentaire, ça nous encourage toujours à fond. Je vous laisse bien sûr vous abonner pour suivre toutes nos prochaines vidéos, et quant à moi, eh bien je vous souhaite de bons montages, et on se retrouve rapidement. Ciao !